Top chrono, j'ai 2 minutes pour vous expliquer que manger lentement, c'est important pour la santé et son bien-être intestinal, mais aussi pour le poids. Je vous avouerai que 95% des gens qui viennent me consulter pour une perte de poids en tant que nutritionniste, et ben finalement 95% des gens mangent vite et ça va être lié à une prise de poids. Manger lentement, c'est important pour laisser l'expression du système de satiété qui va arriver qu'au bout généralement de 20 minutes. Et en moins de 20 minutes, vous comme moi, on arriverait à manger des quantités énormes. Donc le but est vraiment de ralentir sa prise alimentaire en mangeant lentement. Alors concrètement, comment on fait pour manger plus lentement? La première astuce, ça peut être de prendre une ou deux fourchettes dans la bouche, avec des aliments dessus bien sûr, hein, et de poser ces couverts et de les lâcher, c'est-à-dire de ne plus avoir la main sur la fourchette et le bras qui fait comme ça, de stopper sa prise alimentaire au bout d'une ou deux bouchées, de mâcher, d'avaler et puis de perdre du temps avant de reprendre ses couverts. Ça, c'est le système pour manger lentement, se caler sur des personnes qui mangent lentement autour de nous, mais aussi perdre du temps entre chaque plat ou chaque prise alimentaire pour vraiment ralentir cette prise alimentaire et beaucoup mieux sentir son système de satiété. On aura aussi beaucoup moins de ballonnement si on mange plus lentement. Et du coup, la conséquence sera aussi qu'en mangeant plus lentement, on devrait manger moins.